Good morgen, allez, Iden, les tutors aujourd'hui, les Lunishmat Fortuné Bat Louisa, ainsi que l'Irfouat Ranalia Bat Gidel Devora et Sarah Bat Nechama Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masachet Psachim, Perek Zain Mishnah Yud Gimel, Shtechaburot Chayuchlot Bebait Echad, Elu Ofrim et Penehem, Eilach Ve Ochlin, Ve Elu Ofrim et Penehem, Eilach Ve Ochlin, Ve Hamecham Ba Emta. וכשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו, ומחזיר את פניו, עד שמגיע אצל חברתו ואוכל, והקלה הופכת פניה ואוכלת. On va parler dans notre Mishnah d'un sujet assez spécial, la chaboura du Korban Pessah, c'est-à-dire le fait de manger le Korban Pessah en groupe. Soit, ça va même un petit peu changer d'ailleurs la signification de la Mishnah précédente. Quand j'ai préparé le cours, j'ai étudié avec la chod du Rambam, avec Ted, je crois, si je ne me trompe pas dans le Rambam, dans une chod Korban Pessah, où il explique plus longuement le principe, et j'ai découvert qu'en réalité, il expliquait la Mishnah différemment. La Mishnah précédente, elle expliquait avec une petite nuance. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, c'était vrai, mais on va apprendre même quelque chose de plus, encore plus concret dans le Korban Pessah. Un Korban classique d'abord. Si je peux le manger à Yerushalayim, je peux commencer à le manger ici, dans cette maison, et puis après aller manger chez l'autre voisin. Le Korban Pessah, il y a une insistance de le manger bebayit echad, bechabura achat, dans une maison et avec un seul groupe. Soit, on décide, avant de commencer à le manger, déjà, Bichlal, on a commencé à se faire nommer qui va manger. Avant Pessah, on compte, on définit, on va être 12. Mais maintenant, même lorsqu'on va manger les 12, alors, on décide, au moment où on va faire le Korban Pessah, on va commencer à le griller à la maison, où on va le manger. On peut se séparer en deux. Une partie qui vont manger à la cuisine, 5 qui vont manger à la cuisine et 7 qui vont manger ici dans le salon. Mais, dès qu'on s'est fixé, on n'a plus le droit de passer d'un groupe à l'autre. Même mieux que ça encore, comme ça le Rambam il explique dans la Lachot, si on décide maintenant de faire deux tables différentes, ouais, j'ai invité mon frère avec sa famille, et on va ensemble faire le Korban Pessah. Maintenant quoi? On a envie pour la Gada de se concentrer chacun avec ses enfants, et le raconter à sa manière. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se manger dans le même salon. On fait griller le Korban Pessah au milieu même, ou à la cuisine, peu importe. Et moi, je m'assois à une table, et lui s'assoit à une table. On le mange en deux chabourot. Le Rambam insiste que dans ce cas-là, il faudra mettre une petite barrière de séparation entre lui et moi, pour bien marquer qu'on mange en deux chabourot. Si maintenant, pendant qu'on va manger, la barrière elle va tomber, on ne pourra plus continuer à manger. Tout ça, c'est rapporté dans la Gemara déjà. Quoi. Tout ça, c'est rapporté dans ce sujet. L'insistance, donc, quand on a décidé donc on va le manger ici, on le mange ici, on ne le mange plus ailleurs. Et on le mange ici, dans cette maison, avec un groupe comme ça, et pas autrement. C'est le principe de la Mishnah. Hein. Ça ne va pas être aussi explicite de la Mishnah. La Mishnah va plus nous projeter dans des situations concrètes. Et je commence à traduire. Shtei chaburot, la Mishnah, une fois que tu es censé savoir toute ça, la chot, déjà depuis au préalable, alors maintenant tu peux lire la Mishnah et comprendre de quoi on parle, en fait. Et la Mishnah nous dit, Shtei chaburot shayuchlot bebayit echad, s'il y avait deux groupes, une chabura, un groupe de personnes, qui mangeaient dans une même maison, elu ofrin et penehem heilach veochlin, velu ofrin et penehem heilach veochlin. Ceux-ci doivent tourner leur tête et manger dans un sens, et les autres tourner leur tête et manger dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne pourra pas décider de manger en deux groupes où on a l'impression qu'on est tous mélangés. Non, il faut spécialement, puisqu'on a décidé qu'on va se séparer, chacun il mange tout seul, il faut qu'on se donne le dos. Comme ça, on distingue bien qu'il y a deux parties. Sur ça, le Rambam rajoute, comme je l'ai dit, qu'il faut même faire une petite méchitsa entre nous. Et ve'amecham benehem ba'emtsa. Alors, il y a deux manières d'interpréter. Comme ça, c'est rapporté dans le Mefarshim, le Barthénora, on pourra laisser le Mecham, l'eau de laquelle on se sert, de l'eau chaude, je ne sais pas pourquoi ils utilisaient de l'eau chaude pour couper le vin, je ne sais pas exactement, c'est fréquent dans le Gemara que le vin, il le coupe à l'eau chaude. En tout cas, on mettra le Mecham entre nous deux, entre les deux groupes. Donc eux, ils sont à droite, eux, ils sont à gauche. Au milieu, on laisse la grosse marmite d'eau. On pourra la laisser entre nous, en train de chauffer comme ça, et on ne craint pas qu'en fait, peut-être que quand on va se rencontrer, on risque de passer d'un à l'autre. Ok? Ça, c'est déduit d'abord. Il y a le Barthénora qui nous précise, il rapporte ça des psukim. « Ala batim asher yochlu oto baim » Dans le Korban Pessah, ils ont fait Mitzrayim, la Torah insiste,
de mettre du sang sur les linteaux, à la batim, à Sher Yochlu Oto Bahem, dans les maisons dans lesquelles le mangeront lui dedans. On déduit en fait que le partenariat porte, je traduis directement, Shne Ben Adam Ochlin Be Pesach Echad Bishne Batim, regardez, à la batim, à Sher Yochlu Oto, où ils le mangeront. On parle d'un corban qui mange entre deux batim. Ça veut dire qu'on peut, si on veut, on peut même décider de se séparer en deux familles, deux maisons, avec un seul corban. Chacun y mange chez soi. Mais dans ce cas-là, un corban, on peut le séparer en deux. Mais par contre, une même personne ne peut pas se séparer en deux endroits pour aller le manger du même corban dans un autre endroit. Ok? C'est le partenariat porte. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, maintenant on continue avec le même principe, mais avec cette fois-ci le serviteur. Le Shamash aussi, le serviteur, c'était aussi un juif. Il avait le devoir de faire le corban Pessah. Maintenant, lui, il a un problème. Il aimerait bien s'asseoir comme tout le monde et écouter la Agada. Seulement, il doit aussi faire le service. Donc du coup, il va se fixer. On a dit qu'on a deux groupes dans la même maison. Il doit se fixer qu'il est avec un et pas avec l'autre. Maintenant, il doit malgré tout se lever pour aller servir l'autre groupe. Alors comment est-ce qu'il fait? Lorsque le shamash, le serviteur, se lève pour servir, servir de l'eau ou servir, eh bien, dans ce cas-là, qu'au fait cette pive, alors je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il est. Donc, il doit, littéralement, c'est-à-dire il doit fermer sa bouche. Ouais, mais lorsque j'ai lu, on dirait qu'il y avait une insistance qu'il fallait qu'il fasse très attention spécialement, bien montrer qu'il a la bouche fermée pour ne pas qu'on le soupçonne de manger. Il n'a plus le droit de garder des choses en train de mâchouiller dans la bouche. Il doit fermer la bouche, ne plus la bouger figée, et pendant qu'il sert, tout le monde, d'accord? Ad shemagia etzel chaburato, jusqu'à qu'il puisse revenir chez sa chabura, et veochel, et donc il se rassoit, et puis après il recommence à manger. Ensuite, autre encore notion, veakala, et la jeune mariée, qui a honte de manger devant tout le monde, c'était des niveaux de tsniout, de pudeur assez beaux, quoi. On a honte de manger devant tout le monde quand on est en. C'est plus précis dans les Mefarshim. Du coup, tout le monde a une tendance à la regarder, elle est jeune mariée, et puis c'est pas de sa noix qu'un homme regarde une femme. Donc, du coup, pendant qu'elle marche, elle tourne un peu sa tête pour ne pas mâcher devant tout le monde. Du coup, elle rentre en problème. Comme on a dit, on doit se tourner le dos si on a deux groupes. Elle, on va lui permettre de tourner la tête et de mâchouiller sans qu'on la voie. D'accord? Veakala et la jeune mariée, au fechet panea veochelet. Elle pourra tourner son visage et manger pour qu'on ne la voit pas. Elle a le droit, donc, pour ne pas, si elle a honte, elle pourra le faire. Tandis qu'une autre personne n'a pas le droit de tourner la tête, parce qu'on t'a demandé d'insister que, quand vous vous êtes séparés en deux groupes, il faut bien vous démarquer entre vous. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.